Merci. Merci à toutes les personnes qui sont là. Donc collectif Santé 44, collectif des masques blancs nantais, collectif Santé Saint-Nazaire, que je salue bien évidemment et que j'embrasse. Christine qui est avec nous, élue sur Plessé. Élue sur Plessé, voilà, une petite commune du 44. Il y a aussi des personnes de Paris qui ont fait le déplacement, je les salue. Il y en avait une tout à l'heure qui était derrière un panneau, j'en ai vu des Yvelines. Merci d'avoir répondu à cet appel. T'es libre de choisir ce que tu fais de ton corps. Voilà, c'est tout. J'ai passé une très mauvaise nuit, mais je me sens serein. Il fait très beau. C'est la Saint-Aimée aujourd'hui. Hein, on est le 13 septembre, on est dans la ville de Nantes, la ville qui a connu le décès d'Anthony Rio, qui avait 24 ans, étudiant en médecine, et qui est décédé après une première dose d'AstraZeneca. Tous les organes étaient en thrombose à 24 ans. Beaucoup ont dû vacciner en pleurant et j'espère que beaucoup ont vacciné dans l'évier. Voilà, tout simplement. La population déjà n'a pas compris le comportement des médecins, pour beaucoup. Ils n'ont pas retrouvé dans leur médecin celui qui les soignait, qui était bienveillant, qui les informait. Ils ont vu des gens qui étaient aux ordres, pour beaucoup, dans une doxa d'État qui commençait au plus haut niveau, c'est-à-dire Europe, France, ministère, l'HAS, les ARS, les hôpitaux. Et tout un système s'est mis en place, qui était un système à la fois économique, sanitaire, financier. Parce que quand on vaccinait ou quand on traitait le Covid, on avait des émoluments supplémentaires. On gagnait plus d'argent quand on cochait Covid. Vous avez des médecins qui ont fait 2-3 000 euros pendant le week-end juste pour vacciner. Comment voulez-vous vacciner des gens que vous ne connaissez pas, dont vous connaissez en 2 minutes sur une table, on dit vous signez là, terminé. Alors tout a été violé comme principe. Certains vieux médecins ont été beaucoup plus prudents parce qu'ils ont dit qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Nous, on n'a jamais vacciné sans avoir eu des informations, des indications, des contre-indications, des essais cliniques. Là, tout d'un coup, les boîtes arrivent, il n'y a rien. Il n'y avait aucune notice dedans. Macron donne un ordre, le 15 septembre, tu es vacciné ou tu es radié. Il y a ceux qui ont obéi, le doigt sur la couture. Il y a ceux, et je pense qu'ils sont très nombreux, qui ont mis le vaccin dans l'évier. Et puis il y a ceux qui, en pleurant, ont vacciné eux-mêmes et voire leur famille. Alors pourquoi? Parce que s'ils perdaient, il y a la maison, il y a le cabinet, il y a la clientèle. Et les gens, beaucoup se sont tus en étant très très mal à l'aise. Alors, les conseils de l'ordre, la plupart ont fait comme les moutons. Les copains à Paris ont dit, bon maintenant, tout le monde vaccine, tu m'interdis ivermectine, hydroxychloroquine, etc. Parmi les conseils de l'ordre, vous en avez qui ont été extrêmement virulents. Là, moi, je vais parler en tant qu'élu. Oui. Ben, les élus ont aussi fait beaucoup de tort dans cette crise sanitaire. Mais c'est que bon, tout le monde a suivi à la lettre ce que donnait comme directive le gouvernement. Les mairies ont créé des vaccinodromes. Enfin, oui. Ils ont empêché les enfants de faire du sport, de la culture. Et quand on avait le malheur de refuser ces directives, on était maltraités. Je pense qu'on a été entendu, on a pu s'exprimer de façon rapide mais essentielle. J'espère que ça fera prendre conscience aux médecins auxquels on a expliqué les raisons de mon infraction à la loi, qu'elles étaient légitimes et que j'ai essentiellement respecté mon serment d'Hippocrate, que je voulais rester en place pour protéger mes enfants, protéger mes patients et permettre justement un débat constructif face à cette religion vaccinale qui est en train de se mettre en place. Le vaccin reste un médicament.
avec des excipients, avec des réactions qui peuvent être immédiates, voire à des jours, à des semaines, voire des années, étant donné que des scientifiques de haut vol maintenant établissent le rôle délétère de ces vaccinations Covid, je parle, sur notre système immunitaire. C'est pourquoi la majorité des gens qui se sont fait vacciner développent des Covid après vaccination. C'est quand même pas le but premier de la vaccination. Et je leur ai dit, je n'ai jamais été anti-vax et anti-vaccin. Mes quatre enfants ont respecté scrupuleusement leur calendrier vaccinal. Et les effets secondaires constatés doivent être reconnus parce qu'ils sont très nombreux. Il n'y a rien de pire qu'un dol qui n'est pas reconnu. Je pense qu'il y a eu beaucoup de corruption, de labos qui souhaitaient vraiment faire instaurer un pass vaccinal et surtout développer peut-être une technique vaccinale qui oblige à se faire revacciner régulièrement. C'est une obsolescence programmée des vaccins. Comme tout le commerce est orienté vers l'obsolescence programmée pour qu'on y revienne, on voit se profiler des obligations vaccinales, d'autres pandémies gérées par l'OMS et par des instances supranationales qui n'ont pas été élues et qui risquent bien de nous imposer des choses et où nous, soignants sur le terrain, nous n'aurons plus rien à dire. Voilà. Je vous remercie. J'ai été proposé par le docteur procureur à la commission disciplinaire pour éclairer sur des points techniques. On ne peut pas se contenter d'un slogan « les vaccins sont surefficaces ». C'est plus complexe que ça, et donc là, autant il faut améliorer ses connaissances. Quoi. Le côté technique et scientifique est tellement accablant pour ces produits, et surtout les données sont connues depuis le départ. C'est-à-dire que ce n'est pas nouveau. Pfizer a tout écrit, tout dit, je veux dire. C'est ensuite tous ceux en charge intermédiaire de faire valider et de faire appliquer qui, au fond, sont fautifs de ne pas avoir travaillé. Quoi. Au fond, je pense que le docteur procureur peut-être a touché un certain nombre de membres du jury par son honnêteté et sa constance dans ce qu'il a fait. Il l'assume, il dit pourquoi, et quand il dit pourquoi, c'est recevable. La présence de familles de victimes, etc., c'est aussi un élément très, très lourd quoi, à regarder en face. Et voilà. Donc moi, j'espère que ce soit une première confrontation qui amène à beaucoup plus de discussions, à beaucoup plus en dehors d'un contexte disciplinaire, à dire bon d'accord, attendez, vous nous avez parlé d'un truc là pendant l'audience, mais est-ce que vous voulez bien revenir à froid, à calmos, on en discute. Il y a besoin d'une vraie douceur, d'une vraie patience, de ne pas être trop en colère. Et c'est difficile hein, quand vous avez perdu un proche, etc. Moi, j'ai toujours constaté que le temps fait bien les choses. Donc, tenir bon, être patient, répéter, redire, trouver une façon de le dire adéquate. Et là-dessus, le travail des masques blancs, le travail des collectifs locaux est extrêmement important. Quoi. Tout le travail de Où est mon cycle, de Les Cœurs Vaillants, de Vérity France, etc. Pour moi, est le travail principal aujourd'hui. Et il faut vraiment les aider, les soutenir, les aider à obtenir réparation, les aider à faire des procès aussi, parce qu'il faudra faire des procès pour aller convoquer la discussion justement avec certaines personnes. Merci.
chanter un petit peu, mais je suis content que ça soit derrière moi. Et bon, si on va, si on va au pénal, il faudra défendre le poulet gras parce que là, c'est des risques de prison, de forte amende. Mais je pense que, comme la vérité est en train de remonter partout et que les effets secondaires seront reconnus, ils ne pourront pas, ils pourront jamais faire autrement. Je pense que nos petits grains de sable sont là pour enrayer la machinerie. Voilà. Allez, viens prendre le micro. Michel. Bravo. Je te l'enverrai.